La compagnie ivoirienne d'électricité met à niveau les compteurs en vue de corriger les éventuelles anomalies et comptage et réduire les fraudes. Les sachets plastiques bientôt remplacés par des emballages biodégradables, une mesure gouvernementale qui vise à protéger la santé des populations et l'environnement. Et puis une nouvelle stratégie de lutte contre la consommation excessive d'alcool mise en place en Afrique du Sud. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Opération de mise à niveau des compteurs et de contrôle des installations des usagers par la compagnie ivoirienne d'électricité. Cette opération vise à corriger les éventuelles anomalies sur les branchements et comptages et réduire aussi les fraudes. On en parle avec Michel Digri. Riviera Palmeret, des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité, procèdent à un contrôle sur l'ensemble des équipements mis en place pour enregistrer les énergies consommées dans cette habitation. Allons vérifier la boîte à fusibles, le compteur, le disjoncteur, voir s'ils sont bien, s'ils sont fonctionnels. S'il y a un problème, on corrige le problème qu'il y a. S'il n'y a pas de problème, on sécurise. Nous venons de voir que le disjoncteur du client n'est pas dans son tableau de comptage, sur le tableau de comptage. Et là, ce n'est pas normal, c'est une anomalie. Parce que le disjoncteur n'étant pas là, le client n'est pas protégé. À travers cette opération, la CIE veut offrir aux clients du district d'Abidjan de la ville de Bassam l'opportunité de bénéficier gracieusement du contrôle et de la correction des anomalies éventuelles sur les branchements et comptages. L'intérêt, c'est qu'on va aller mettre à niveau votre comptage. Et ça va vous éviter des poursuites judiciaires éventuelles. C'est un intérêt quand même pour un père de famille de se retrouver devant les tribunaux parce qu'il aura trafiqué ou volé d'électricité. Pour les responsables de la CIE, cette opération qui vise à juguler le phénomène de la fraude n'aura aucune incidence sur le coût de l'électricité. Le prix de l'électricité est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc la compagnie ivoirienne d'électricité ne peut pas augmenter elle-même de façon unilatérale les factures. La fraude sur l'électricité fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire environ 40 milliards de francs CFA par an. Le contrôle des comptages est fait à la demande du client qui s'inscrit sur le site web de la CIE. L'opération s'achève à la fin du mois d'octobre. La Poste se veut plus proche des populations et encore plus efficace. Lors de la journée mondiale de la Poste, la tutelle a demandé aux opérateurs du secteur de plancher sur ce rôle nouveau. C'est la nouvelle vision de l'Union postale universelle, une vision exprimée dans le thème de cette année, la Poste plus proche de vous et des entreprises au quotidien. Michel Mambo nous en dit plus. Le service universel de courrier et colis et l'accessibilité bancaire. Autant de missions assignées à la Poste. Mais combien sont-ils les Ivoiriens qui sollicitent encore cet outil de connexion traditionnel? On nous parle beaucoup de la Poste, mais on ignore véritablement les services de la Poste. La Poste devait revoir sa méthode et se mettre à jour. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'affranchir un courrier à la Poste. Via le net, on envoie un mail rapidement. Ce service public devra donc faire preuve d'innovation face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La journée mondiale de la Poste, célébrée tous les 9 octobre, est donc l'occasion pour le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication d'appeler les acteurs du secteur à la réflexion. Pour faire face aux défis importants, notamment ceux des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, la Poste doit s'approprier le potentiel fourni par les TIC, gage important d'efficacité au plan de l'inclusion sociale et financière. Avec ces trois dimensions, à savoir le réseau physique, le réseau électronique et le réseau financier, la Poste doit se positionner comme le partenaire idéal des populations de par sa proximité avec celle-ci, véritable destinataire du service postal. Une poste plus proche des populations, un serviteur au quotidien des particuliers, la nouvelle vision du ministre Bruno Nabandé-Koné qui réitère son engagement à relever le défi.
Ouverture du 4e Salon international des médias, de la communication et des TIC hier à Abidjan. Thème retenu, rapport médias-entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance. Les médias constituent un maillon important dans le progrès d'un pays. Aussi, le ministre burkinabé de la communication qui était présent à cette plateforme a exhorté les professionnels des médias à rendre le métier plus crédible en arrêtant de se prêter au jeu politique. Le reportage de Hamza Diaby. Mettre en relation les professionnels des médias, les hommes d'affaires ainsi que le grand public, c'est tout l'intérêt du Salon des médias, de la communication et des TIC. La présente édition ambitionne d'impacter positivement l'économie ivoirienne en rapprochant les médias des entreprises. Les deux secteurs devront ensemble trouver les outils et stratégies pour booster la croissance économique. Une aubaine pour les chefs d'entreprise. Le salon est une occasion vraiment idéale, rêvée par beaucoup d'entreprises comme la nôtre aussi, pour exposer notre capacité à accompagner les structures, les autres structures de l'État et puis l'économie en tant que telle. La Maison de la Presse d'Abidjan, initiatrice de l'événement, entend également contribuer à l'intégration sous-régionale, d'où la présence du ministre burkinabé de la Communication. Ouvrant les travaux du salon, la ministre ivoirienne de la Communication, Afousiata Bambalamine, a exhorté les acteurs du secteur au professionnalisme. La presse qualifiée à juste titre de quatrième pouvoir, en raison de son grand impact sur les populations, doit-elle faire désormais preuve de plus de professionnalisme et favoriser ainsi la cohésion sociale et la réconciliation nationale dans notre pays. Le Salon international des médias, de la communication et des TIC est à sa quatrième édition. Prévu durer 3 jours, il réunit environ 50 entreprises du secteur privé, des écoles et des maisons de presse et de communication. L'interdiction de commercialisation et de distribution des sachets plastiques entre dans sa phase active en novembre prochain. Une situation perçue difficilement par les populations. Elles se posent des questions sur comment transporter leurs denrées alimentaires. Un industriel résout ce problème en mettant gratuitement des emballages biodégradables à leur disposition. La fabrication des sachets plastiques et leur commercialisation sont désormais interdites. Nous sommes d'accord pour l'interdiction des sachets. Mais s'il y a une autre solution à nous proposer, à proposer plutôt aux femmes qui utilisent les sachets, alors c'est bon. Les habitudes sont encore difficiles à corriger, pourtant il y a urgence. Les sachets plastiques mettent de 100 à 400 ans avant de se décomposer. Si vous imaginez qu'une personne utilise tous les midis 3 à 4 sachets par personne, vous faites le calcul, vous verrez que au bout de la journée, c'est en moyenne 5 millions ou 6 millions de sachets qui sont jetés dans la rue. Passé le temps d'alerte, il est temps d'expliquer le bien fondé de l'utilisation des emballages biodégradables. Aujourd'hui, nous allons sensibiliser, franchement de façon très 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 importante, l'ensemble de la couche de la population pour qu'ils prennent conscience que l'hygiène alimentaire préserve également leur santé. Pour accompagner l'État dans sa volonté de faire disparaître les sachets plastiques, cet industriel soutenu par la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire va mettre sur pied à Abidjan la première unité de fabrication d'emballages biodégradables. Les consommateurs pourront en bénéficier gratuitement. L'idée m'est venue de faire fabriquer des emballages biodégradables, mais je sais bien que la fabrication d'un emballage biodégradable coûte très très cher. Nous avons réfléchi à une stratégie qui consiste effectivement à créer la possibilité de communication sur les emballages biodégradables parce que ça permet de toucher les cibles directement. Le 23 novembre prochain, le décret sera appliqué bon gré mal gré sur tout le territoire. En attendant cette date, un test grandeur nature a été offert au public avec des baguettes de pain offertes dans des emballages biodégradables. Et puis, l'impunité est l'une des principales causes de violence dans le monde et particulièrement en Afrique, est combattue par la coalition ivoirienne pour la CPI. Cette organisation a organisé une conférence qui avait pour thème « L'Afrique et le défi de la lutte contre l'impunité ». Hamza Diaby pour en parler. L'impunité en Afrique reste un des fléaux facteurs de développement des crises sur le continent. Considérée comme le crime de demain, elle encourage très souvent à la récidive. 1er juillet 2002, entrée en vigueur du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Objectif, mettre fin à la violence et rendre justice. Tenue d'une conférence ce mercredi matin par la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale pour faire l'état des lieux de la lutte contre l'impunité en Afrique.
Le préambule du statut de Rome, de la CPI, donne la primauté des affaires, des procès et des jugements au pays. La CPI n'était qu'un dernier ressort, donc c'est un tribunal complémentaire de juridiction sur le plan local. Mais pour pouvoir justement avoir ces capacités juridiques, il faut qu'on puisse insérer dans notre corpus au niveau législatif et notre corpus juridique les dispositions qui sont des compétences de la CPI. Selon Aboubakar Sidi Ben Diarasouba, conférencier, tout est mis en place pour l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Nous avons la cellule spéciale d'investigation qui continue son travail. Nous avons la commission dialogue, vérité et réconciliation qui est également en marche parce qu'il est question pour nous de faire le point de toutes les atteintes aux droits de l'homme, tous les actes répréhensibles qui ont été commis. Il faut d'abord pouvoir en faire l'inventaire afin de pouvoir les sanctionner. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la lutte contre l'impunité est une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis février 2013, la Côte d'Ivoire est devenue le 122e État, dont 27 en Afrique, à ratifier le statut de Rome de la CPI. Reste le projet de loi de sa mise en œuvre effective. Une fois adoptée, cette loi pourra permettre aux juridictions ivoiriennes d'avoir la capacité juridique au niveau des compétences de la CPI pour ce qui est des crimes graves. À l'étranger, au Gabon, 3 morts et 7 rescapés après un éboulement de terrain à Libreville. Un manguier situé à équidistance entre deux maisons s'est détaché de sa souche avant d'aller violemment percuter l'habitation en contrebas. Au Gabon, une femme et deux enfants ont péri ce mardi après un éboulement de terrain à Kingélé, un quartier populaire de Libreville. Les victimes ont été prises par surprise. Elles ont été ensevelies par un monticule de boue qui s'est échappé d'une montagne. Plus d'une centaine de policiers et de pompiers tentent de retrouver le corps d'une fillette restée sous la boue. Le gouvernement sud-africain en guerre contre l'alcoolisme a un projet de loi interdisant le parrainage et les distributions gratuites d'alcool a été adopté. Selon la ministre du Développement social sud-africain, à l'origine de ce projet de loi, l'alcool est la troisième cause de décès en Afrique du Sud et est responsable d'environ 130 morts par jour. Un bon match de foot et une bonne bière. Des plaisirs simples que partagent des milliers de Sud-Africains chaque week-end. Mais parfois, la troisième mi-temps s'éternise et les effets de l'alcool s'avèrent dévastateurs. Avec une moyenne de 130 morts par jour, l'alcool est la troisième cause de décès à travers le pays. Le département du développement social est à l'origine d'une loi qui vise à réduire la publicité pour l'alcool. L'interdiction de la publicité va créer des problèmes car l'industrie de l'alcool crée des emplois. Par exemple, moi, regardez combien de personnes j'emploie ici. Et les jeunes sont particulièrement visés. Avec cette loi, l'âge légal pour acheter de l'alcool passera de 18 à 21 ans. Mais pour quel résultat? Ils donnent de l'argent à un frère, à un oncle ou quelqu'un de plus âgé qu'ils connaissent pour aller acheter de l'alcool à leur place. On ne boit jamais avec les garçons parce qu'ils mettent des choses dans les boissons pour influencer les filles. L'abus d'alcool est aussi un facteur de viol et de propagation du sida. Un fléau pour le pays qui affiche l'un des taux d'alcoolisme le plus élevé au monde. Mais selon une étude mondiale, la publicité n'a pas d'impact sur le taux de consommation d'alcool et cette loi ne ferait que déplacer le problème. Il y a environ 120 000 commerces d'alcool illégaux dans le pays. Donc, il y a en fait une vraie possibilité que si l'on impose des interdictions trop dures à l'industrie légale, le marché illégal pourrait en bénéficier. Le projet de loi n'en est qu'à la première étape d'un très long processus. Il ne faut pas rêver, les publicités placardées sur les pubs semblent bien accrochées. Aux États-Unis, Janet Yellen, désignée pour diriger la Banque centrale américaine, c'est la première fois qu'une femme est désignée pour diriger cette banque. Inédit pour la Banque centrale des États-Unis, Janet Yellen, 67 ans, pourrait devenir la première femme à la tête de cette institution. Plutôt considérée comme une colombe, il lui incombera la tâche de réduire les injections de liquidités de la Banque centrale. Sa nomination doit être toutefois confirmée par le Sénat à un moment de forte tension sur le budget américain entre élus républicains et démocrates qui ont conduit à une paralysie des administrations.
puis l'Europe cherche une solution après le drame de Lampedusa en Italie. Les Européens sont appelés à mener une vaste opération de sécurité et de sauvetage de migrants en Méditerranée, sans pour autant remettre en cause leur politique en matière d'asile. La commissaire européenne chargée des affaires intérieures a expliqué qu'un groupe de travail allait être constitué pour évaluer les moyens à mobiliser. Accueillis sous les huées, aux cris de honte et d'assassin, le président de la Commission européenne et le chef du gouvernement italien sont arrivés mercredi sur l'île italienne de Lampedusa. José Manuel Barroso et Enrico Letta se sont recueillis devant les 300 cercueils des Érythréens et Somaliens noyés dans les eaux siciliennes. L'Italie et l'Europe cherchent des solutions pour éviter de tels drames. Les organisations humanitaires estiment à près de 13 000 le nombre de migrants morts en Méditerranée ces 20 dernières années. Nous devons renforcer notre système de recherche et de secours en mer, notre système de surveillance pour repérer les embarcations. Nous devons pouvoir secourir les victimes et les ramener à terre avant qu'elles ne périssent. Nous devons également négocier avec nos partenaires africains afin de trouver des accords pour organiser une émigration légale. Les ministres de l'Intérieur européens, réunis mardi au Luxembourg, ont proposé une surveillance accrue des côtes tunisiennes et libyennes, mais ils ont refusé d'ouvrir davantage les portes du droit d'asile. C'est incroyable, c'est insupportable. Les réseaux de trafic humain attirent ces jeunes Africains avec de fausses promesses. Ils prennent tout leur argent et les abandonnent sur des bateaux de fortune. Cela ne peut plus continuer et nous devons arriver à une politique commune entre gouvernements africains et européens pour éviter de tels drames à l'avenir. Alors que la police italienne poursuit la douloureuse remontée des corps et que des centaines d'immigrés continuent à arriver sur les côtes italiennes, c'est toute la politique migratoire de l'Union européenne qui doit être revue. Si les migrants africains arrivent en masse, ce sont désormais les Syriens et les Pakistanais qui fournissent les plus gros bataillons de l'émigration vers l'Europe. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.